migrant is someone that comes to another country. For example, here in France, it's someone who's not originally from France. So you would be a migrant? Good question. Grand migrant, c'est un terme qui est vraiment utilisé beaucoup par le Front National pour avoir une définition péjorative de personnes qui peut-être n'ont rien et cherchent une meilleure vie en France. Qu'est-ce qu'un migrant ? C'est une personne qui fuit son pays pour différents problèmes en fait, politiques, climatiques, économiques, guerres, choses comme ça, et qui fuit vers d'autres pays à la recherche du bonheur. Bah la même chose. Hein. Moi je pense que c'est quelqu'un qui a une difficulté quelconque dans son propre pays, qui essaye de s'en sortir en allant dans un pays autre, quoi, extérieur. The people would leave their country. The people who leave their country for the different reasons, like for education, for the job, and some other reasons, and they leave their country for the better future. Personne qui s'en va de son pays pour aller dans un autre pays, mais sans obligation, sans contrainte. Voilà. Un migrant, c'est quelqu'un qui fuit son pays, soit pour éviter la guerre ou pour le climat. Non, moi je pense plutôt qu'un migrant c'est quelqu'un qui veut rechercher des meilleures conditions de vie, gagner plus d'argent, avoir un meilleur salaire, un meilleur métier qui lui plaît, et donc il va migrer dans un pays qui lui convient parfaitement. Immigrants, the people who go for another country for in struggle in their own countries, like they have some in a terrorist problem or this kind of problem, then they immigrate to another country, and some countries offer them some visa. Alors honnêtement, moi je sais pas. Hein. Je dirais que c'est au niveau légal, je pense. Je sais pas ce que je dirais. Ce serait au niveau légal en fait. Un migrant, ce serait global, et l'immigrant, c'est celui qui est sur un pays où il est pas, il a pas la nationalité du pays en fait. C'est pas où il a pas le droit du coup. Oui, c'est ça. C'est ça. Du coup, il a pas le droit. Il est pas reconnu comme étant appartenir à ce pays. D'accord. Une différence entre migrant et immigrant. Non, je sais pas. Non, je vois pas trop la différence. Moi, je sais pas non plus. Un réfugié, c'est quelqu'un qui est pas dans son pays, qui est aidé par des personnes du pays. Réfugié, il arrive comme ça, brûle pour point, mais il s'est pas engagé à vivre dans ce pays-là toute sa vie. Peut-être qu'il repartira dans son pays parce que c'est juste momentané. Je ne connais rien de droit. Le dictionnaire définit un migrant comme toute personne qui effectue une migration, c'est-à-dire qui se déplace volontairement dans un autre pays ou une autre région pour des raisons économiques, politiques ou culturelles. Migrer qualifie donc un déplacement d'un point A à un point B. Dans les faits, les milliers de personnes ayant traversé la mer Méditerranée sont bien des migrants, car elles se sont déplacées d'un pays à un autre et même d'un continent à un autre. Ils émigrent de leur pays d'origine et deviennent donc des immigrés une fois arrivés dans le pays dans lequel ils souhaitent s'établir. Non, un immigré n'est pas seulement quelqu'un qui s'établit dans un pays. Selon la définition de l'Organisation des Nations Unies, est aussi immigré toute personne née dans un autre pays que celui où elle réside. En France, par exemple, un immigré peut garder sa nationalité ou acquérir la nationalité française. Mais dans les deux cas, il reste immigré. Le fait d'être immigré est donc permanent. Un demandeur d'asile est quelqu'un qui demande le statut légal de réfugié et donc l'autorisation de rester dans un certain territoire. Le processus pour la décision varie d'un pays d'Europe à un autre et peut durer de plusieurs mois à quelques années. Il est important de noter que le statut peut être perdu si la situation politique change dans le pays d'origine du réfugié.
Tout réfugié est un migrant, mais tous les migrants ne sont pas des réfugiés. Un réfugié est une personne qui émigre pour fuir la violence ou la persécution dans son pays. Ce qui l'a contraint à demander la protection d'un autre État pour sauver sa vie ou encore pour préserver ses libertés. Pour mieux comprendre ce terme, il faut revenir sur le texte qui a défini le statut de réfugié, la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Cette convention permet à toute personne d'acquérir le statut de réfugié si elle réunit ces trois critères. Il faut que cette personne se situe à l'extérieur des frontières de son pays. Ensuite, il faut que celle-ci craigne avec raison de persécutions liées à sa couleur de peau, sa religion, ses opinions politiques, etc. Enfin, le statut de réfugié est applicable si cette personne est dans l'impossibilité de demander sa protection dans son propre pays. La Convention de Genève a été signée par 150 pays qui se sont ainsi engagés à protéger toute personne qui ne peut bénéficier d'une protection dans son propre pays. Une personne acquiert la qualité de réfugié après l'acceptation de sa demande d'asile par un État. Pour ce faire, cette personne doit apporter à son État d'accueil la preuve de ses menaces. En France, par exemple, une fois la demande d'asile acceptée, elle obtient officiellement le statut de réfugié reconnu et sera sous la protection de l'État qui a accepté la demande. De plus, le réfugié reçoit un titre de séjour, valable 10 ans, qui est renouvelable de plein droit. Enfin, il pourra également exercer une activité professionnelle et disposer des droits sociaux au même titre que les autres. APL, caisse d'allocation familiale, etc. On est un peu mauvais sur le sujet là. Thank you very much, now we understand. Merci, j'ai compris.